Bonsoir, 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 bonsoir. Et bonsoir à tout le monde qui est là. Et nous demandons de partager la live là parce qu'il y a pile d'informations qui sont là pour nous partager avant. Et déjà, nous sommes Mackinson Jean-Baptiste et sur la plateforme T1. T1 qui est une plateforme multimédia qui est Facebook, qui a Twitter, qui a Instagram, qui a site web li, et puis qui là qui pour informer et puis former communauté haïtienne là et sur question qui permettre yo intégrer yo dans pays Chili et puis bien. Et nous gétan salut tout qui gétan branché en merci plus et merci d'esco gétan là et tout l'autre qui gétan tout qui branché yo saluer nous pour nous ka commencer saluer nous dim qui côté temps de radio a. Et même si radio a dit qui côté opter des émissions hein, et puis tout dit nous comment zone bois la caouiller parce que Chili en ébullition. Partagez page là. Bon, et nous allons commencer, nous pas prendre le temps. Et bonjour tout le monde et bonsoir tout le monde. Je dis à c'est 19 octobre 2019 et c'est pour le deuxième live nous pour mois d'octobre là et je dis à nous faire live ça c'est un live circonstanciel et parce que il y a pile et fanatique tezin qui dit Mackinson a pas fait live pour parler de la situation qu'a développé Chili a et a pas fait live c'était Haïti l'autre bagarre il me dit bon et me décidé à 9h du soir pour faire live ça et pour quelle raison faire live ça. Nous faisons ça pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que il y a un pile haïtien qui vit au Chili et qui pas focus de ça qui a passé au Chili pour comment Chili fonctionnait, comment le système Chili a fonctionné. Vous comprenez? Et puis on plus focus sur d'autres bagages qui a passé sur toi Haïti ou bien de l'autre côté et bagages tout des fois qui pas tellement important. OK? Ça c'est une raison que me fait live là. Deuxième raison fait live là, c'est parce que il y a pile thème besoin parler ensemble avec nous pour qu'on connaisse les outils par exemple un thème qui c'est casser relation c'est veut dire casserole c'est une façon et moun Chili yo protester yo kon casserole nan meyo ta nous parler plus de ça yo kon casserole nan meyo et puis tout nan appartement et puis a bat casserole là comme ça nous comprenons a bat casserole là ça son casserole. OK, c'est une forme de lutte liée. Et même je vois des manifestations sont forme de lutte liée à plus mon appartement yo à plus mon appartement yo yo casserole nan men yo a battu bien fort. N'a faut parler de casserole là et pour que ça Chili ou bien Chili yo choisi et servir à casserole pour protester et puis tout n'a parlé tout sur grève là que on prend soit à partir de 10h moun pa prend la rue ou prend la rue sauf ce qui ont urgence et puis c'est la police qui bon papier. Ça relé en espagnol toque de queda et li qui relé couvre-feu ya son équipe thème faut nous commencer à habituer avec parce qu'il y a un pays à vivre faut nous connaître et pour nous bien informer et puis tout troisièmement nous parler processus de manifestation comment commencer et pour ça arriver dans degré ça pas oublier chaque bagaille il y a une façon de commencer qui prend étape par étape. Et puis finalement tout nous pour faire un petit parler tout sur
comment nous kawe manifestation filia les différents avec manifestation haïtia qui différence ce gain qui ressemble ce gain on connaît gars pile monde qui pas dire et nous pas ka comparer haïti à chili et gars pile monde pas dire à chili actuellement là gain des autres il y a boulé bus il y a boulé machine et mais nous pas faire une analyse profonde côté que nous pas partager avec moun yo différence là avec ressemblance là ou même k'ap suivre live là l'époque comment ouais différence là entre moun k'ap manifester chili yo avec moun k'ap manifester haiti yo comment population réagit comment chef l'état yo réagit comment et moun politicien réagit donc tout ça a fait partie de débat que nous pas faire dans ce que ou même cap suivre live là partager avec l'autre monde qui a besoin en plein information et qui est important pour communauté là bon et pour commencer mon qui est en suivre nous nous connaît Chili un système de transport et qui c'est train yo et puis fort chilien c'est train monté pour aller travail et puis fort chilien tout c'est train monté pour aller l'église pour aller tout côté et puis fort haïtien tout connaît comment système là fonctionner et système train chilia et faut qu'on gon 4 bip et faut 4 bip là lui-même il qui comme la donne et pour aller pour faire et tout ça au besoin fait et pas oublier live ça m'a fait c'est pour un live m'a fait pour me bail information par exemple pour me dire ah et t'as quitté telle machine qui t'est boulée tel côté ah t'as quitté telle bague t'as fait tel combi son live que m'a fait plus que son live et me décadit son live me décadit cap informé mais cap formé à la fois tout ou même participer et nous saluons Thomas Charles qui est en branche nous là Thomas Charles partage live là c'est un infatigable et fanatique tézin et qui toujours suit nous. Ouais. Donc mais comment ba la? Comme nous connaissons Chili gon système de transport, mon système de transport côté que gien bus là-dedans, gien micro là-dedans. Mais et transport qui plus rapide à niveau terrestre ça c'est train. C'est train plus rapide, c'est là-dedans plus fort n'importe 3 millions, de 4 3 millions chiliens utilisés et vin plus tout avec notre migrant qui dans pays là. Vin rive au moment côté que et m'te ka di et l'état chilien ba connait si c'est peut-être inflation ou bien peut-être dollar commence trop haut parce que nous commence à sentir une récession là, une récession économique et côté que et comme là haut en pile et décider mettre m'te ka di 30 pesos sous cop train et 30 pesos ça vient mettre ya m'te ka di 30 pesos chilien ça m'te et bon moi évaluation et 30 pesos mettre sous lia m'te ka di 30 pesos ça représente 0.04 centimes dollar ça les pas moi venir en dollar mais pas oublier tout et Chili c'est un pays qui gagne m'te ka di et coût transport qui piche m'te ka di dynamique latine pour battre le monde. Par exemple, ou cap moto en train là pour tarif là lui-même, il presque arrivé tarif là mettre sous là en dollars américains. Tarif là mettre en dollars américains. Après que gouvernement ou bien secteur qui responsable transport a les prend mesure ça. Donc, il y a pile étudiants qui commençaient une forme de lutte. Forme de lutte à qui lutte lié. Étudiant Sam Abdoula, c'est pas étudiant université, c'est étudiant de Kadi qui n'a basique yo, étudiant de fondamental yo. Qui l'utilise a commencé à faire un bagage qui relève évasion. Évasion ça a fait, yo commencé monter train yo, entrer dans station train en groupe et puis yo monter yo passer en les têtes et Tony Kerr bah qui barre yo, yo pas payé yo commencé à faire ça. Depuis mardi passé qui était 15 octobre là. C'est là ça bagarre a te commencé. On a commencé comme ça. Et mardi premier côté yo aller yo dans métro Santa Ana, moun ki konnen Chili, Haïtien ki konnen Chili bien, métro Santa Ana nan ligne 5 bien quoi.
yo monté yo pa payé mercredi yo fait même bagarre là et puis on vient arriver un moment côté que yo fait et puis yo commencé craser toniquet pour rentrer mais ministre transport public là qui c'est Gloria Hud dit comme ça pour qui ça et étudiant ça yo transport pas monter pour yo parce que pas oublier étudiant des fois dans chez des privilégiés comme un étudiant paye pour transport pas même et comme et un monde ordinaire payé. Il dit pour que ça étudiant a fait forme de lutte ça et pourtant yo même comme yo pas monter comme transport yo. Donc ça vient rendre que yo gagne doute sur ça. Et puis chaque jour c'est comme ça. Mais vient arriver au moment que bala commence à dégénérer. Yo commence à faire ça dans ligne, dans toute ligne, yo commence dans ligne 1, ligne 2, ligne 3 jusqu'à ce que commence à faire ça dans toute station métro yo entrer sans yo pas payer. Et moun ka voyage normal, toujours voyage normal. Yo ouais ça son forme de lit lié, yo d'accord pour moun yo et faire ça yo supposé faire. Mais vendredi, il est ministre intérieur Chilia qui c'est Rodrigo Ubia, de Kadi, c'est lui qui deuxième gros poteau garçon au gouvernement. Ça veut dire, c'est même vous, un ministre intérieur ici, on peut considérer comme un premier ministre en Haïti. Il est qui presque que tout pouvoir. Donc, il dit que ça qui a passé là, son bagage est délicat. Son bagage est délicat, c'est pour une protestation. Oui. Kounyala et l'État, décréter que fermer tout métro yo. Le fait que dit son bagage d'élégance à la seconde hier samedi tout le monde prend la rue mando comment moun yo communiquer pour que ta prend la rue comme ça nous pas connait kounya la lettre tout moun yo prend la rue et y a manifesté et wa pwè an pile moun pran la ri nan chaque zone pou la kayo yo pran la ri avec sa nan men yo yon casserole et puis yo frapel sak pa ka pran la ri yo même yo rete nan apartman yo an lè yo frapel ba konn si n ap tande la actuellement la kote m rete a gen pile moun ka frape et casserole yo donc et pour nous continuer avant nous aller plus loin nous pas di nous et comment bagay casserole la commencé nan Chili. Et pas oublier, et Chili, c'est un pays qui est un pays néolibéral extrême. C'est petit, consensus de Washington, côté des États-Unis, qui est une belle leçon, parce que c'est un pays qui a un capital extrême. Donc, nous avons commencé avec les casseroles. Nous avons grand pilier, c'est qu'on dit, ne t'es pas où, ça casserole-là. Pour que ça chine, nous avons casserole-là. Nous même ici les manifester nous manifester avec tambour avec rara bio avec musique et même il y a des experts qui dit d'ailleurs ta font manifestation là tu pas mettre rara pas mettre tambour pas venir bon comme beaucoup gagne une manifestation jusqu'à preuve du contraire qui fait sans rara en Haïti nous pas dire ça mais Chili lutte ça lui même commence avec casserole kounya là et avant d'entrer dans casserole là m'a expliquer nous comment casserole a sorti nous voit que yo yon groupe ti moun ki t'ap manifeste en façon et yo commence à évader yo va aller payer métro pou ya tout l'autre moun yo vini rencontrer avec moun sa ou ni grand moun ni jeune yo commence vin entrer dans logique là tout et nous vin wè que manifestation vin ap pran l'autre ampleur côté que pas seulement étudiant ça mais c'est te commencé c'est pas seulement étudiant ça qui mandé pour baisser prix transport et pourtant il y a l'autre problème que Chili a traversé qui fait que nous tout profiter de ça. Bon. On allait nous parler de casserole là. J'aime dire nous ou après tout chilien si on boit la cobage ça, ça on chilien fait ça le relé casserolasso, casserole. Ça on chilien fait ça ou que tu connais qui s'allie. N'a pas le temps pour saluer l'autre qui est en bref chez nous là qui c'est Chadric. Bonsoir Chadric, ni action Amboise nous salue. Nous saluons Max Amboise et nous saluons tout le monde qui branche. OK. On a le casserole là, parce que quand il y a partager information ça parce que leur vivre dans le pays mes amis, chercher qu'on forme de pays, chercher qu'on
politique pays, à chercher à connaître loi pays, à chercher à connaître comment le système fonctionne. C'est pas arrêté de suivre une équipe moun sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, qui a venu une équipe rêve. C'est vrai, faut que bien rêve, mais faut que toi vive là, faut que c'est là où on est, chercher à connaître. Vous comprenez? Et Lourdes, nous saluons, bon bagage, des États-Unis, nous saluons. Bon, nous allons parler de lutte avec Castrol. J'aime bien dire, nous, en Haïti, nous faisons avec et Rara. L'aile dégénérée, nous faisons avec Coutroche, avec Dufay, ça nous coûte d'après Chili là, toi. Nous allons parler de Castrol. Et ça, Castrol, là, il est même, Castrol, là, tout le monde, on va tout le monde, t'as supposé qu'on est, pour l'Ouest Chili en fait, ou bien notre côté en fait, qu'on est. Et nous pouvons expliquer bien en gros et à l'âge qui ça Castrol là et qui ça Mounio yo fait avec Castrol là. Ok? Et m'a dit nous profiter partager par là parce que nous avons pile pour partager avec nous à soir et nous même encore on a bien bagage pour partager avec nous. Casserolasso ou bien relé Casseroleo ou Casseroleada et son Castrol côté Mounio soit en qui en Castrol l'a frappé. C'est une forme de protestation côté que manifestants yo voulaient montrer contentement à travers deux bruits. Ça veut dire quand on m'a passé à soi là et bruit seulement entendu. En pile bruit à fait. Comprenez? Et puis il y a pas seulement Castrol yo fait avec l'autre et chaudière qui est toute bagarre qui a fait bruit. Ça c'est pour monde qui pas veut soit parler dans la rue ou bien concentrer en dans caillou. Et bagage ça lui-même il était commencé il était dit pas faire gros histoire il était commencé en France en 1830 et avec la monarchie de Juillet côté que sous régime de Cadi Louis Philippe I hein, ses premières protestations ont été faites en France en 1830 mais comme nous Chili nous va faire un peu de détail Chili premier protestant qui était commencé il était dit protestant qui commence avec et Chaudière qui a frappé bien fort. C'est Allende, Salvador Allende. C'est la première fois qu'il te fait contre le gouvernement Unité Populaire. Ça aurait été Unidad Populaire qui était dirigée par Salvador Allende de l'année 1970 à 1973. Donc, c'est un bagage qui était convoqué de bouche à bouche. Dans le moment, ça, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de WhatsApp pour te commencer, pour te communiquer, pour te dire que ça va le faire. Donc c'est bouche à bouche, le gars tout département et tout et appartement, caille dans Chili, grand monde, petit monde, comme ils ont sorti sous balcon, ils ont sorti sous caille, ils ont commencé à frapper Castrol, blow. Vous voyez, c'est premier et Castrol a été fait dans Chili. Mais 1er décembre 1971, et dans un groupe femme tout qui te fait même bagarre à tout contre le gouvernement. Donc système ça lui-même il commence à faire dans plusieurs pas seulement dans Santiago, il fait dans plusieurs et zones jusqu'à ce que une ballon marche Castrol là ou bien marcha de las Casseolas. Donc c'est ça que fait Robin Wake que ni porte bagaille qui gagne avant même que moun yo commence à faire une manifestation ou bien si toutefois tout ta gon on coup fouet fait ça aurait toqué de queda. Mouna, au lieu de sortir, il y a la Kali, commence à frapper Castrol là. Au cas où chaque temps la police passe, il tire de trois balles, moun yo rentre. Et la police a encore, il recommence, il sorti encore. Donc, en gros, pour me dire, nous, Castrol là, son symbole qui est important pile dans la protestation en Chili. Parce que, puis devant, il n'a pas pour nous inviter un Chilien ou bien un autre Haïtien, un sociologue, qui connaît le terme plus profond pour l'expliquer nous. Et comment ça fait Castrol là lui-même, il a un impact dans la lutte peuple chilien. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui là, tout à soir, tant que tout bruit Castrol, le bruit chaudier, on a frappé, c'est, yo compte comme yo monté sur le prix transport. Mais pas oublier tout, il y a une autre activité, puis il a tout profité pour protester. Donc, je pense que nous avons plus ou moins, nous avons compris ça. Et sac et Castrol. Donc, les gens qui fait ça, il y en a tourné dans le match là qui était de étudiants et étudiants qui manifesté, qui viennent faire manifester. Les gens qui ont le gouvernement,
lui-même, il pas répondre, soit le gouvernement senti ou bien t'a déclaré que mon cap fait ça, c'est une équipe de l'écran. Donc, il a décrété ça au relais, un état d'urgence. Un état d'urgence là. État d'urgence à côté que c'est seul et gouvernement qui a décrété et il a décrété état d'urgence là. Mais état d'urgence, c'est le gouvernement ou bien pignier là, bail et chef là, mais à l'autre pour lui décréter état d'urgence là. Côté que hier soir, je me dit soir à 2h du matin, côté que y a un pile policier dans la rue, il y a un fait policier ça rentré, il y a ces forces là, mais qui dans la rue. Le fait que l'état lui décréter état d'urgence là, policier va dans la rue encore. Il y a un pile gaz qui bail, mais moi je prends gaz. Vous comprenez? Et c'est première fois que je prends gaz dans la ville, mais dans la manifestation, parce que vous connaissez Chili, les migrants, même les poussons immigrants, ils n'ont pas le bon droit pour manifester. Et ils n'ont pas le bon droit pour manifester, terme, ça, c'est l'autre terme. Donc, je prends gaz tout. Quand ils ont mis l'état d'urgence, c'est l'armée chilienne qui vient cap bas l'état d'urgence. Nous ne pouvons pas parler de ça qui est l'état d'urgence là, avant de continuer, et pendant que dit processus, comment ça a fait, et puis nous parlons de l'état d'urgence là. Mais avant de détailler, c'est ça pour nous que finir la ligne, même si c'est président de la République là, immédiatement nous avons un problème qui commence à affecter. Il est temps de prendre la parole pour dire, de comprendre que ça a fait assez en protestation, mais il compte qu'il a fait violence. Pour raison ça, il y a troublé la paix publique, il décrète un état d'urgence. Qui différence avec le président Panouan, que l'été gen problème yo, nous pas tendel tout de suite pour te dire moun yo ou bien pour te parler avec moun yo ou bien même pour te décréter un état d'urgence, pas comme si on a constitution haïtienne nan gen ça tout. Et même si tu as décrété et m'a quoi la mère d'Haïti gen tan bon soupir pour te ka prendre la rue pour quitter pour faire la police entrer. Donc tout ça tout ce sont des ressemblances avec différences que n'a fait entre Haïti avec Chili. Donc c'est ça. Nous parlons dans l'état d'urgence là, et ou même qui fait sciences politiques, ou même qui étudie relations internationales, ou même qui est journaliste, tout, il y a des bagages, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on cherche qu'on est, il y a là, il faut qu'on cherche qu'on est. Qui est un état d'urgence? Et qui est-ce qui a décrété? Un état d'urgence, on peut dire, c'est pour Chili, selon l'article 9 de la Constitution chilienne, non? Et nous te ka di c'est un état côté que les gion ont crise basique crise politique ou bien yon crise mon manifestation ou bien on équipe événement que l'état pas ka contrôler ou bien la police pas ka contrôler côté que nous vinn rive au moment nous te wè moun yo commencé y a bouler bus yo et micro yo y a pas entré dans métro y a bouler train yo et mais on se le bagage machine qui a passé passant yo moun ka marché yo pas craser industrie yo pas craser service bay moun yo seul bay qui boulé c'est énergie qui sont distribution électricité mais yo pas faire violence tam te ka di yon violence horizontale contre propre frère ou après moun a circuler dans l'arrière sans problème ou sur machine nou ou sur bicyclette tout ou circuler sans problème moun a fait manifestation contre yon on y a un bagage commun qui c'est descendre prix métro. Comprenez? Donc tout ça c'est pour qu'on ait ressemblance entre Haïti avec Chili. État d'urgence là et de cadeau dans l'article 42 l'état légué un cas grave côté que ou pas qu'à gérer ordre public là. On y a là l'état lui supposé dit zone ça par exemple Santiago, c'est là que qui plus et des zones, il déclare comme état d'urgence côté que Libay et chef d'État, chef l'armée à l'autre pour lui gérer ça. OK? État juste là, il pas qu'à dépasser 15 jours. Mais pour lui t'a prolongé, c'est seulement si Parlement t'a approuvé ça. Qu'est-ce que l'État juste là dit? Nous pouvons faire un petit résumé tout petit et nous pouvons faire un petit résumé tout petit. Pas oublier, me dit non. Et partager page là et puis partager connaissance que nous gagnons tout le monde pas casser connaissance pour nous seulement tout chaque temps partage en connaissance
lié de nous gen moins moun ki ignorant lié de nous gen moins moun ki ka ki exploiter yo ki yo lié de nous ki gen moins moun ki kwè nan sa rele fake news parce que c'est nan tan wè pile moun ka vive de fake news mauvaise nouvelle donc c'est ça et donc nous pa di en plus ki sa ki est à diligence là pour ki sa déclarer ki sa ki la donne avant nous même tomber dans sa nouté cardio et dans sa nouté cardio et grève et pas grève ça non bien couvre-feu là pas oublier nous parlons de casserole nous parlons de état d'urgence et puis nous parlons de couvre-feu là et puis nous pas du tout ou même haïtien qui a vécu chez lui qui ça doit faire dans cas ça et pas oublier tout lundi si Dieu veut yo lancé une protestation générale dans Chili. Ça veut dire nous gain en pile bagarre dans menou pour nous et pour nous veiller. OK. État de justice là, oui, c'est je me dis non, c'est un droit constitutionnel lié. Et président lui-même li ka réduit liberté de mouvement tout moun ki nan peyi a liberté de transport liberté de réunion a di li ka mete restriction pou di pa pase tel côté li ferme transport tout bagay même je ou ferme tout métro a et li ka di que pièce moun pa suppose réunir nan peyi a ni pou faire politique ni pou faire culturel ni pou faire et ni pou faire social OK et mais gon bagay que état d'urgence là lui-même li pa ka empêcher pas oublier les en diverses occasions il y a pile des autres qui fait en Haïti en pile manifestations qui rivaient des viols et rivaient des autres que l'état pas jamais rivé déclarer état d'urgence mais par contre quelques cyclones qui t'est passé l'état a déclaré état d'urgence donc on pas connait pour qui raison ça fait est-ce que dans moment gain en pile des autres causé par des manifestants l'état va déclarer état d'urgence ou bien c'est est-ce que seulement c'est les cyclones ça nous-mêmes c'est juste n'a fait comparaison droit que état d'urgence ça pas qu'à faire ça le pas qu'à faire premièrement dans état d'urgence là et article 27.2 de convention américaine de droits humains il pas qu'à réduire droit ça droit à la vie ça veut dire en monde ou nan état d'urgence là ou pas pour peut-être pas ou tirer un manifestant ou bien ou enceinte parce qu'a couche pas accoucher droit à l'intégrité personnelle ça veut dire mon n'a droit à l'intégrité personnelle ou pas supposé violer l'intégrité personnelle et protection pour famille et protection à nationalité protection à droit politique. Donc, c'est tout bagay ça. Et une fois que yo déclaré état d'émergence là, état d'urgence là, zone qui là dedans là sous et responsabilité chef de défense nationale là que président lui-même l'a désigné. Vous comprenez? Et président lui-même l'a une obligation pour informer à la mesure que adopté. Donc on pense que au moins plus ou moins nous ouais qui ça nous tendait qui ça qui état d'émergence là. En conclusion, état d'émergence là, li ka fait dans situation ça. Côté que soit gon guerre civile, soit gon guerre externe, on l'autre pays attaquer, soit gon manifestation qui dégénère dans monde, soit gon calamité publique ou bien on cyclone ou bien bagarre comme ça. Donc c'est ça qui fait que président lui-même il déclaré état d'émergence là. Bon, parce qu'il y a pile monde là qui est en Kimbé, moi ça qui c'est état d'émergence là. Et dans chaque manifestation je pense que gain ça relé étape par étape. Et donc il casé brisé Chili mais casé brisé il est différent. Et il casé brisé tout dans notre pays. Donc, le mouvement en divine dégénéré, côté que moun yo pas seulement yo vle pour descendre plus train, mais yo commencé vin wè gon l'autre bagay qui c'est l'argent pension yo AFP moun yo konnen
l'argent santé yo avec l'autre taxe qu'on a payé avec niveau misère ou bien niveau pauvreté que Chili commence à gagner. Par exemple, Chili presque un gros salaire minimum qui presque 500, presque 400 à 500 dollars américains. Côté que l'or était 50 000 pesos pour transport là-dedans, il va rétendre. OK? Donc, il y a un pile monde qui tout profite moment pour faire l'autre revendication passée. Et nous, on est dans le processus état d'urgence là. Il y a c'est là, mais dans la rue. Mais à toute la mer dans la rue, moun yo profite à faire manifestation, yo profite soit bout les trains, soit bout les micros yo, ou bien soit mettre barricade avec du feu. Et différence moun en Chili, m'a koni si gom ki wel, m'poko j'aime pas se moun barricade avec caoutchouc. M'a dit ce que pays sa bani caoutchouc la den, moun barricade yo, barricade yo ki du feu. Mais m'pa j'aime moun barricade avec caoutchouc la den. Si gom ka suiv li live la, dans zone côté lié à ta on barricade avec caoutchouc dife la dan fait moni. Et donc c'est ça. Et gien l'autre moun tou, gien l'autre moun tou, on pral et gien l'autre moun tou ki gien l'autre moun tou nous fini avec le dossier en état d'urgence là. Kounya nou rive dans situation côté que et gien couvre-feu. Gien couvre-feu parce que moun yo continue à manifester et yo mandé. Avant nous revenir dans couvre-feu, nous avons besoin de parler des réactions hommes politiques. Nous avons le président prend la parole, nous avons le magistrat dans chaque zone prend la parole, et nous avons le député prend la parole. Nous avons tout ça aussi. Il y a un pile de députés avec le magistrat qui pour contre manifestation. Il y a un qui dit nous contre manifestation. Nous pour manifestation, mais nous pas d'accord pour y a faire violence. Qui différent avec autorité la caille, non? Y a même, quand on manifestation en fait là, ici Chili, ou pas ni un magistrat à la tête manifestation, parce que son bail populaire lié, ou pas ni un député à la tête manifestation, ni un sénateur à la tête manifestation, et ou pas ni un député, un sénateur. Et nous te dit, a exprimer mécontentement d'une façon violente. Et on parle en débuté au magistrat ou bien on débuté chilien qu'a petit peuple là et vini nous mettre à jeter l'huile et sous route nous mettre faire violence parce que on connaît si on fait ça, il y a pas arrêté parce qu'il y a une loi dans Chili, on appelle à la violence, c'est une violation constitution. Il y a fait arrêter. Mais par contre, il y a député sénateur qui d'accord manifestation dit moun yo continuer à manifester. Mais, puis, gars, on fait violence. Continuez à manifester pour l'État qui attend des voix. Donc, il faut que nous voyons la différence là. Et c'est un émeute populaire, mais chaque monde, il y a une façon de réagir. Chaque leader, il y a parole par eux, mais pas un leader tout, pas un leader tout qui fait, dès qu'il dit, un appel à la violence. Maïstra et Station Centrale là, dit un bagaille. Maestra et Santiago a dit un bagay, et Maestra et l'autre côté dit un bagay. Par exemple, Maestra Cerro Navia avec Maestra Recoleta, Maestra Makur Kilikula, La Pintana, yo même yo pas d'accord assister à une réunion que Pignela t'a invité. Parce que yo dit yo pas d'accord avec état d'urgence là, yo pas d'accord avec militaire dans la rue, militaire pour guerre, yo dit. Avant y a une réunion avec Epinier là dans ça, donc faut yo retirer militaire. C'est pour ça que le gouvernement local là qui pouvoir parler, le gouvernement central là qui pouvoir parler. Après yo dit pas réuni tout autant que militaire pas entrer la caillou. Comprenez? Donc il y a pile monde et politicien. Yo pas invité moun yo à la violence même si gen violence. Pa bliye m de dou, pendant n'a fait live là n'a parlé de ressemblance avec différence entre Haïti et puis Chili. Et Roma et OK. Et n'a prend le temps pour saluer Eric Lundi qui branché station centrale, Pierre Lukenson et depuis qu'il est là et Tizoli m'a connu bien et cap
qui est sérieuse et Pierre-Renel Geoffroy, Pierre-Renel Geoffroy qui branche nous et Jean-Renel Frédéric et qui branche nous et Jean-Renel Frédéric vous dit vous faites des couches des choucailles oui vous faites des choucailles et vous faites des choucailles. Je fais des choucailles dans quelques supermarchés, tant que Lidl, Opéta, Conta. Donc, ça lui-même, il existait. Même surtout, il existait en Haïti. Donc, et ça lui-même, il existait. Et nous finissons toutes les formations, comment le chef réagit au même, il parle de la violence. Mais quand il y a là, il y a un moment que. Là des besoins rivés et c'est là des besoins rivés ça qu'on couvre fait nous tout connaît et nous même haïtien qui fait 1985 on va connait 86 et gapil qui connaît couvre fait c'est on les bail que tu pas supposé une pièce dans la rue pas supposé faire réunion politique pas supposé marcher dans la rue mais ça qui rend couvre fait là et ça qui rend couvre fait là nous connaît déjà c'est parce que situation en lui-même li vin dégénérer à tout militaire dans la rue à tout militaire dans la rue à soir là parce que couvre-feu a commencé il commençait depuis 10h du soir 10h du soir l'a fini à 7h demain dimanche là donc et couvre-feu a nous pas besoin faire trop bagaille sur son terme que haïtien habitué et même juste dans information si toutefois ou même qui dans la rue ou bien qui t'a le travail, ou bien qui t'a un côté, tout le côté, y a, pas sorti. Et sous qu'on a urgence, ou bien malade, ou bien, bah, qu'on ne va pas passer dans la CAO, ou qu'on a juste aller dans la zone, non, commissariat, bon, la CAO, pour demander autorisation. Mais, ou pas qu'à sortir. Et, Jean Zoula, et, couvre fait à lui-même, y'a point, ça veut dire, ou même qui n'a l'arrière là, ou pas supposé être dans l'arrière pour un pile. Dans le temps 10h côté il a tout arrêté parce que li pas bon et ni pour moi ni pour et plutôt ou même qui a essayé qu'à vivre chez lui essayer éviter migrant au droit pour manifester OK ou par contre en espagnol là bien couvre fait lui même li relé toque de queda c'est le couvre-feu. Mes communiqués officiels et mon fait passer à décalé pour nous. M'appeler en créole. Je dis après tout désordre généralisé qui fait dans ville Santiago avec localité qui tout près là. Et général division Don Rodrigo Uritia Oyazo, Don Rodrigo Elikala Tibaela. Et l'état d'émergence là, ou bien juste là, il a décrété, il a couvre-feu, qui a commencé à soir là, depuis 9h, pour 7h, j'aime te dire là, et puis, il a fermé tout, et business fermé business qu'avant et alcool disco même te gien ta ça dans disco à l'enjoy ou même quitter l'église m'ba connait si l'église a sorti ta donc j'ai couvre faire soir yo mandé toute organisation sociale yo pour yo pas faire aucun événement massif dans espace public OK donc c'est dans situation ça que nous y jeune jodi dans chez lui côté que nous qui est manifestation, nous y couvre fait. Mais par contre, lundi, yo annoncé yon grève générale nan Chili. Donc, bagayon en pile nan men président Piñera, même Jean bagayon en pile nan men président et Jovenel Moïse. Donc, chaque moun nan pays yo bon façon yo gérer crise. Et donc, on a là prend le temps nous-mêmes. Et pour commenter par nous, et nous pas gain radio aujourd'hui parce que nous pas dans studio, nous pas gain téléphone dans pas studio, ou même qui gon commentaire ou voulez faire passer et ou bien gon question ou voulez poser, c'est là ça n'a pas et question avec réponse. Mais en attendant, si vous avez question poser question, si n'a mesure pour nous répondre, n'a répondre. Et n'a dit tout le monde qui t'est branché, continuez brancher live saison yo et continuez like page Facebook là.
partagez page Facebook là, à sur YouTube, cherchez Tezin tout, inscrivez sur canal YouTube Tezin, on a toujours pour information bas ou, téléchargez l'application, hein, parce que l'application nous-mêmes, des fois, nous voyons un message bas ou, pour nous dire, mais comment la réaille, mais qui ça pour faire, nous là pour nous informer, pour nous permettre d'intégrer dans Chili, et pour nous permettre de vivre, c'est qu'à dire, plus ou moins, parce que l'on vit dans le pays, faut qu'on paye. Ou pas qu'à vivre dans le pays, ou quitter Haïti longtemps, ou quitter notre pays, et puis ou là, ou souvent, qui va passer Canada. Bah, dis, faut pas une connaissance générale. Ou suivre Canada, ou suivre États-Unis, ou suivre Saint-Domingue, ou et pour ton pays, alors, par contre, un rien de pays, même langue pays, ou par contre. Allez voir, par contre, politique pays. Donc, l'important, pour nous qu'on t'aime ça, pour nous qu'on comment, moun yo réagit. Et nous pouvons passer et pour question yo moun ki t'a posé question yo et n'a commencé avec question yo et plutôt si ou gen réponse tout n'a ba ou et nous saluons Anjou Metulis qui c'est premier moun ki t'a branché live là et Anjou Metulis et nous saluons Thomas Charles qui t'a branché live là ensemble avec nous et nous saluons Lukenson Toussaint qui branché live là depuis Kilikou là. Tout le monde qui l'écoute là, big up pour nous. Et on connaît qui l'écoute là, sacré pour tout Haïti à Foucault. Parce que c'est le petit Haïti, même j'ai un ami. Quand il y a un pile Haïti qui a fait bagay sérieux, il y a un pile business. Et il y a qui s'en est fait là, on salue tout le monde qui l'écoute là. Et on salue tout le monde qui l'écoute autour, Chadik, mon bagay. Et on salue tout le monde l'assistant là, et l'assistant là. Et on salue tout. Et Louvens qui c'est un fanatique infatigable de dessin depuis les thèses commencé qui Louvens a vécu c'est n'importe là depuis mais la vie des États-Unis qui tout nous supporte nous et puis tout n'a pas salué Jeko Noel problème n'a affecté tout pays ah oui problème n'a affecté tout pays ah Jeko Noel un moment ça parce que son nous un moment pour une crise économique mondiale et Marcus n'a pas suivi c'est pas seulement Haïti qui a un petit problème ni mon qui pense que c'est changement gouvernement qui va faire pays à changer, faux. Parce que le monde a passé une crise politique, économique mondiale. C'est un autre thème pour nous parler avec un autre expert. Là où la Chine avec les États-Unis à bataille, il a affecté Chili, il a affecté l'Argentine, Équateur, là, où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe en France, où est-ce que ça a passé Barcelone. Donc, c'est crise mondiale qui a commencé à dégénérer. Chili lui-même n'est pas épanoui. Et un jeune homme utilise qui branche nous, il dit différence qui gagne entre Chili avec Haïti. Chili gagne un état de droit côté à côté revendication. Gagne une opposition qui fort. Point commun c'est plus fort monde qui dans manifestation, c'est manipulé violence avec pillage. OK. Et à genou c'est ça et opinion à genou. Et nous salut pour San Bernardo, à genou lui-même il branche depuis San Bernardo. Roma, est-ce que c'est bon nom? Est-ce qu'on parle nom de Roma? Et Roma dit crasé a pas bon, mais manifestation bon pour nous pas augmenter pour transport. Pas voler l'argent FP à trop petit malheur. Roma, pas dans politique pays, même c'est migrant, mais pas une pour m'rêter. Et qui ton chilien dit ça, Roma. Et Don Diego Jean-Pierre lui, sinon est grand maître. Don Diego, est-ce que c'est vrai mon nom? Et Don Diego a suivi live là depuis Ijapel, son côté d'ami connaît. Et Jean-Renal Frédéric, mes opinions Jean-Renal Frédéric dit, mon cher, fait de choukai tout, ils entraillent. Nous, plus que deux supermarchés, ils ont pillé, Lidl, Offelta avec Aconta. Donc, mon chili, ils ont fait de choukai tout. Est-ce qu'on a dit ça, les de choukai? Ou bien piller des choukala, est-ce que pas bon thème ça c'est notre thème pour nous débattre. Et Tizolid dit comme ça parler de Chili frère parce que c'est la réagir et pour Haïti nous
parler de ça qui a passé à bientôt. Écris nous un texte, nous avons fait un message à passer pour vous. Eric lundi, nous saluons, t'isolé ton corps. Passer tout frustration. Oh, James Cab, ouais. Bah, c'est que je compte encore brancher. Et Eric dit, c'est un pays où on paye un peu de taxes. Chili, on paye taxes, oui. Chili, ou externe, on paye taxes. Ou respirer au pays tac. Et ça fait ouais pays à rien puis le transport tout rien route rien tout bagarre là. Prosper Pierre posait une question que me bat pas dans l'émission. Est-ce que moun pa besoin de certificat pour déposer pour définitif encore? Frère m'attendo au Rancagua. Prosper Pierre, même sous tendez live à fait vidéo à fait. On moun ta dit moun pa besoin certificat de bonne vie mais ça dit menti. Par contre, gain bagay qui a parlé entre organisation, soit l'État haïtien ou bien l'État chilien ou bien organisation, pour ouais, comment que y a permettre que mon cap déposer définitif, pas besoin de certificat de bonne vie, mais ça, ou bien pour ta faire pour si ça pique. Même tout profiter moment ça pour dire mon cap supply là, ou bien sous l'État haïtien, ou bien l'État chilien. Dans la situation Haïti, y est là, à côté que pièce institution pas fonctionner. Institution qui responsable pour bail. Et certificat de bonne vie, c'est des CPJ. Et pas quoi fonctionner pour le moment. Donc, il tape mieux pour le ministère Affaires étrangères haïtien. Taoué avec le ministère Affaires étrangères chilien ou bien gouvernement. Vous avez comment vous avez sorti de crise. Parce que haïtien qui n'a Chili a besoin de certificat de bonne vie, mais ça, pour qu'il y ait une résidence et pour qu'il y ait tout prérogatif que Chili a. Donc, essayez de faire ça, nous-mêmes, les capitaines, nous-mêmes, leaders. Fait message à passer parce que toute bagarre sur question des négociations. C'est pas toute bagarre qu'une café par la violence, c'est pas toute bagarre qu'une café avec silence. Toute bagarre c'est quatre étapes à président mais ça qu'a passé dans pays là qui bloqué, pièce qui pas fonctionné, mais nous connaissons nous grand quantité ici qui besoin résidence et au moment de pour un certificat de bonne vie mais comment on ca aider nous retirer certificat de bonne vie mais ça ou bien comment on ca aider nous rendre procédure là picout. Donc, si vous non, laissez ça, vous connaissez que vous avez fait effort ou non. Si vous oui tout, bravo. Donc, c'est comme ça, bagaille, mes amis. Et l'État haïtien, il y a pile bagaille dans la main, ni pour en dans pays, ni pour dehors pays. Nous avons pile bagaille pour faire. Et Naomi dit comme ça, il y a tout profité à acquiser étrangers en bas live média chinois. Il y a pas qu'à accuser nous, il y a pas qu'à accuser nous. Problème son problème mondial lié, par qui travaille son problème mondial lié. Et Chili son pays qui commence à digitaliser côté qui commence à projeter et main d'œuvre là. Parce que on à la métro on a commencé voir ça que métro t'es qu'on gagne pile, on observe comme réceptionniste. Nous pareil ça encore. Nous avons des machines, nous mettez carte pour payer. Donc nous venons au moment que Chili commence à digitaliser tout bagage parce qu'il y a bien pile, on capte du travail. C'est ça que faire nous-mêmes pour commencer voir qui côté nous. Créer business par nous. Apprendre bagaille qui a évolué avec le monde. Si le Chili nous y est, elle cherche tant de télévision chilienne, elle cherche tant de radio chilienne, les journaux chiliens, tant de haïtiens, même gens avec tes uns, avec l'autre monde, sont moi, c'est story, ou bien l'autre haïtien qui a ban ou bon information de Chili. Pas si tape de couteau équipe, n'est qu'on équipe, qui pas cap sa cerveau nous, cap contaminer cerveau nous, mes amis. Faut côté nous y est, attendez pour nous grandir. Donc c'est ça. Et merci, James, pour bagaille. Bon, on va se séparer des questions, pas grand, hein. Et nous pas prendre pile temps, nous pas prendre pile temps pour nous dire, mounio. Merci d'être que vous êtes branché, t'es en live, là, je dis, et non pas M. Mackinson Jean-Baptiste, qui était des caméras, des micros, et c'est un plaisir pour moi, pour nous parler ensemble avec nous, sur le dossier qui a passé Chili, et ça, nous te parler ensemble, nous t'es plusieurs thèmes, d'ailleurs, pour nous qui aimons, nous avons vu Chili, nous t'es ouais thèmes sacrés, les, Toke de Keda, qui voulait dire, et Koufouefe, nous te retenons Kasserou la Soa, qui en forme de lit, en forme de manifestation, qui fait avec Castrol. Nous te retenons Saorele, état d'émergence là, état d'urgence là, que l'état décrété a. Et puis nous te retenons comment toute étape que manifestation, tout
toute étape manifestation arrivée, elle commence avec étudiants, commence à pas payer métro à rentrer, il y a vinn rivé que vinn gen désordre, vinn rivé que moun commence prendre la rue, jusqu'où n'y a gen moun dans la rue et vinn rivé que jusqu'à lundi tout, ka gen grève. Ou même haïtien ka vi Chili, prend en pile précaution pour pas victime. C'est met koa qui veille koa. Et donc et on pense que nous pas prêt en pile, second question n'a prêt pour nous après. Et pas oublier me dit nous si nous remettez un pour travailler en affaire, nous travaillons tes grandi. C'est pas arrêter seulement pour WhatsApp ba me poser une question ou bien voyons bagaille ba me poser une question sur Facebook, mais faut nous télécharger application sur Play Store, T-Z-E-N sur Play Store. Faut nous à sous YouTube tes pour nous inscrire. Si nous gon vidéo nous pas ouais, mandem vidéo à m'a fait pour nous. Like page Facebook tes et puis partager information qui important yo. Non pas c'est Mackenson Jean-Baptiste, c'était un réel plaisir pour t'avoir avec nous sous tes yeux. Et demi si kagon live nous pour confirmer, live nous te dit n'a fait assez live sur système santé Chilia qui parle de cancer. Cancer tété, cancer dans tété. Nous t'a fait le demain dimanche. Nous pouvons regarder oui ou bien non si la fête. Mais demain dimanche, bonne n'a avise aussi la fête ou bien non. Parce que nous avons bien trois docteurs qui sont spécialistes dans le thème de la cabine parler. Si là, il y a toujours un IA, nous qu'a fait, nous qu'a pas fait. Si nous pas fait, nous avons respect pour n'a pas avise. C'était avant, Mackenson Jean-Baptiste. À la prochaine. Passez bonne nuit et puis en pile prudence. Ciao, n'a pas.